This is my time. Je m'appelle Boris Pourré. Je suis infirmier à l'unité transculturelle de l'enfant et de l'adolescent du SUPEA du département de psychiatrie du CHUV. J'ai développé au cours de ma carrière certains fils rouges, des compétences, et notamment une des principales qui est l'exercice des soins transculturels en santé mentale. On va introduire une discussion en fait entre nous autour de ce que peut être le métissage, quelle place ça peut prendre chez quelqu'un, puis les enjeux cliniques qu'il y a autour. Je suis infirmier auprès des jeunes qu'on appelle les mineurs non accompagnés et que j'aimerais dans notre canton qu'on appelle les mineurs nouvellement accueillis. C'est des jeunes qui, dans leur pays d'origine, ont connu la guerre, les dictatures, la barbarie souvent, et qui ont traversé des parcours migratoires pour venir jusqu'ici où ils ont été marchandisés et souvent abusés ou en tout cas vécu des choses qu'un jeune de leur âge ne devrait pas vivre. Il faut que les deux personnes partent des appartements éducatifs, puis toi, c'est toi. D'accord. Le métier d'infirmier et d'infirmière, c'est d'occuper le champ et la clinique de la proximité. C'est d'administrer des soins, d'assurer la réussite des traitements. Il manquait finalement des infirmiers dans ces dispositifs transculturels. Alors mes parents, ils ont toujours dit qu'il faut travailler. Donc ça, c'est, si je comprends bien, c'est aussi tes valeurs familiales, quoi, que tu as été éduqué dans ce sens, de pouvoir être travaillé et être autonome. Notre pratique au sein du département de psychiatrie a été de permettre l'accessibilité des soins et de reconstituer une enveloppe protectrice et de sécurité qui à la fois soulagera le jeune et puis en même temps pourra justement le porter dans ses premiers pas pendant sa minorité jusqu'à sa majorité et au-delà pour qu'il soit sur des bonnes rails et puis qu'il devienne finalement les forces vives de demain dans notre canton.